Bonjour. Bonjour. Bon, là, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, c'est une vidéo que j'ai donc laissée publier. C'est la première fois que je fais un direct, un live. Donc, s'il y en a qui m'écoutent, hein, hormis celui que j'ai fait hier, donc, mais c'était un essai particulier parce que c'était ça concernait donc plutôt des collègues hein, au niveau professionnel. Donc là, il y a Bonjour Vanille. Voilà, donc j'explique, je commence à expliquer pourquoi je fais cette vidéo, Vanille. Tu as vu là, tu as vu les vidéos que j'ai fait sur les travaux dans ma rue. Tu sais, pour les compteurs Linky. Donc j'ai filmé et donc je continue de faire les choses, je pense, de manière assez courtoise. Et il s'avère que là, en début d'après-midi, vers 13h, non, j'ai rien fait de mal, non, j'ai le droit, vers 13h45, j'ai eu quelqu'un qui a sonné donc à mon interphone, à l'insistant. Donc j'ai décroché, et en fait, c'était le chef de chantier qui voulait que je monte. Je n'ai pas pu monter parce que j'étais en train de cuisiner, j'étais occupé. Donc, de toute façon, je ne vais pas me déranger donc, pour des gens que je ne connais pas, n'importe qui, donc dans la rue. Il valait mieux parce que c'était chaud. Et cette personne-là m'a menacé physiquement, donc sur l'intégrité de ma personne, physiquement, de me casser la gueule dans la rue. Bon. Je voudrais dire peut-être à ce monsieur que c'est peut-être pas, ce sera peut-être pas évident d'y arriver. Ensuite, moi, je ne vais pas rentrer dans ce système-là. Il a appelé trois fois. Et la troisième fois, c'est rigolo parce que, non, je n'ai pas enregistré la scène. En revanche, j'étais en train la troisième fois, il a sonné deux fois, trois fois. Et la troisième fois, c'est là où il a été le plus violent au niveau des menaces. J'étais donc en communication avec le commissariat de police, donc qui m'a dit d'aller faire une main courante. Alors, je crois que c'est ce que je vais faire. Ouais, je sais pas ce que tu en penses, Vanille. Et qui a donc certainement enregistré la communication, qui m'a dit qu'elle allait envoyer une patrouille dans ma rue. Bon, comme je suis pas sorti, je sais pas si ça a été fait. Ben, comment il a mon adresse? C'est facile. Il travaille devant chez moi. Donc moi je leur ai dit que j'habitais là, tout simplement. Donc comme au niveau de ma chaîne, moi je me cache pas, tu sais, j'ai rien à me reprocher. Donc ce que je fais c'est toujours intègre dans le respect donc des gens, hein, quoi qu'il en soit, même si des fois il y a eu un tort avec certaines personnes. On aurait pu avoir de la moquerie, des commentaires, tout ça. Bon, les choses, elles plaisent pas. Mais ma démarche, c'est pas de me moquer des gens. Comme je l'aurais expliqué aux gens, moi, ma démarche, c'est de témoigner, tout simplement, et puis de discuter avec les personnes et voir un petit peu donc ce qu'elles en pensent. Et en même temps, on partage. On est dans la communication. On est dans la communication parce que sans communication, on ne peut pas se comprendre. Et si on ne se comprend pas, eh bien, on ne peut pas s'aimer comme on doit s'aimer. En fait, c'est ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Vanille. J'attends ton petit mot. Voilà. Donc, le truc qui était rigolo, c'est que j'ai été donc en conversation avec le commissariat de police et je lui ai dit que le mec, il s'énervait, il me faisait ses menaces. Moi, je me suis un petit peu aussi, un petit peu, j'ai un peu haussé le ton, alors que les deux fois précédentes, j'ai. Oui, non, il n'y a rien d'agressif, ni menaçant. Mais c'est des gens qui ne veulent pas être filmés. En fait, j'ai refilmé ce matin, mais je n'ai pas publié. Mais je vais la filmer, la vidéo là, que j'ai faite ce matin. Je vais la publier de toute façon. Et ces gens-là, donc, je leur dis que, de toute manière, le monsieur, s'il m'arrive quelque chose, la police est au courant. Je vais adresser aussi un message à la société FH, qu'elle a des voyous qu'elle emploie. Donc c'est des gens, c'est des menaces. Donc ça va donc de ces images, de l'image de cette société qui fait de la communication sur Internet, FH, EIFAGE, donc qui font des travaux et qui les font sous-traiter par d'autres entreprises. Donc une entreprise qui est donc dans le Tarn,
Garonne, dans le 80, non, dans le temps, pardon, dans le 81. J'avais discuté avec le patron, là, c'est la deuxième vidéo, qui était un petit peu, qui disait, qui parlait des feignants, tout ça. Et, après, ça s'est déroulé calmement, hein, de toute manière. Voilà. Après, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les disputes, dans les bagarres. Hein. Je sais pas si tu as regardé ma vidéo d'hier matin. Celle que j'ai faite. Tiens, attends. Le mec, il y a encore un mec qui sonne. Je vais dire que je sonnerai pas. Attends, hein. Oui. Oui. Vous voulez bien descendre, monsieur? Est-ce que vous voulez descendre chez moi? Non, je préfère que vous descendiez. Au rez-de-chaussée. Descendez, hein, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Ouais. Ben, je vous explique. Là, en fait, je suis entré, je vous en prie, c'est un peu le bordel. Voilà. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, là, je mets ça en témoignage, hein, sur tout le monde. Hein. Si bien que vous soyez là, vous êtes faffiné, vous êtes sur le côté. Là, je suis en direct avec sur un chat, sur ma chaîne. Donc, moi, ce que j'ai fait simplement, ce que je fais, vous voyez, j'ai une tablette, je me promène. Donc, y a rien, je ne fais rien de... Vous pouvez regarder, hein, j'ai une chaîne à mon nom, hein, François Noblon, je vous invite à aller sur YouTube, vous verrez ce que je fais. Je ne suis pas quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui cherche la merde. Hein, oui, j'ai 55 ans, mon métier... Oui, mais bon, après, il a fait ce que je veux dire, on ne le voit pas sur le visage. Non, non, mais laissez-moi finir. Donc, je fais des vidéos, maintenant, je me suis mis à faire des vidéos où je filme aussi, je filme la nature, je filme les travaux. Donc là, j'ai filmé les travaux pour comprendre ce que c'était, ce qui se passait dans la rue, pourquoi le bruit, avec les gens, vous pouvez les regarder. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de menaçant. C'est tout dans le respect, dans l'intégrité et dans l'honneur. Voilà. Donc, je fonctionne comme ça. Donc, ce matin, j'ai sorti aussi ma tablette parce qu'il y avait du bruit, donc je regardais. Hein, en même temps, c'est intéressant. J'ai du public qui aime bien regarder ça. J'aime bien regarder les travaux et les discussions. Vous savez, il y a des nanas qui font. Comment des travaux, il y en a tous les coins de rue. Peu importe. Il y a des nanas, si on va par là, si on commente là-dessus, il y a des nanas qui, par exemple, font 1 million de vues parce qu'elles disent qu'elles se sont laissées éplier le trou de balle, quoi. Vous voyez, là-dessus, sur YouTube. Donc, moi, je fais des vidéos, je fais aussi des vidéos pédagogiques, pour vous expliquer là-dessus, parce que je suis un prof de lutte. D'ailleurs, hier, j'ai fait une vidéo avec l'entraînement de l'équipe du centre de formation de Coulommiers. Si vous avez le rugby, vous pouvez aller voir. C'est un cours que j'ai mis donc à ligne, qui est diffusé sur ma chaîne, enfin sur à mon nom, François Noblon. J'ai deux chaînes. D'accord, monsieur, concrètement, qu'est-ce qu'on fait là? Ben concrètement, j'ai reçu des menaces. Quelqu'un qui a sonné 3 fois à l'interphone, qui voulait que j'aille dans la rue et qui m'a dit concrètement qu'il allait me casser la gueule. C'est qui? Le chef de chantier. Il s'est présenté comme le chef de chantier des travaux de la rue. Parce que j'ai fait ces films-là. Donc, ça le dérange. Alors, j'ai demandé en quoi ça lui dérangeait que je fasse des vidéos alors que j'avais pas filmé vraiment les gens, qu'on les voit pas vraiment, on les distingue pas, il y a rien du tout. Et le mec, il s'est emporté, il m'a insulté. D'ailleurs, la troisième fois, d'ailleurs, si vous êtes là, c'est parce que votre collègue au commissariat, quand je l'ai appelé, le gars, très malin, il a sonné pendant que j'étais en conversation donc avec votre collègue au commissariat. Donc, elle a pu, je pense qu'ils enregistrent les conversations. Donc, vous avez le témoignage de cette personne qui est particulièrement menaçante. Donc, cette personne-là est ici. Alors, cette personne-là, c'est le chef de chantier. Il s'appelle, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu physiquement, ouais, je ne le connais pas. Voilà. Donc, vous lui dites qu'il se calme. Vous avez le PCNT, s'il vous plaît? On va les voir. Non, déjà. Je vous dis pas. Excusez-moi, je vous donne pas des ordres. Je vous donne ce que je formule des vœux. C'est pas pareil. Je vous dis, vous, c'est vrai que moi, je le vois aussi. Vous, dans le boulot, ça me gonfle. Déjà, je vous filme à faire la balance. Alors, je sais pas, maintenant, j'étais pas là, hein, je sais pas comment ça s'est passé. Moi, je vais dire à des gens, parce qu'ils sont comme ça devant. Non, je fais pas ça. Je dis pas ça. Moi, vous voyez, je vais monter. N'ayez pas peur, hein. Regardez. On est là. Regardez, on est là. Non, mais vous, de toute façon, dans votre métier aussi, vous devez apprendre à rester tranquille, zen, etc. Donc, regardez. Je vous montre.
Oui, non, non, mais je comprends, je comprends, je comprends. Je veux dire, être zen, c'est une chose, mais je veux dire, dans ces cas-là, si on va par là, nous, on peut nous filmer, on n'a pas le droit de dire. Voyez, je suis là. Mais regardez, je filme les gens, je suis là. Ce matin, à la pelouteuse, je ne vois pas votre visage, on discute. Hier, j'ai même dit à la personne, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on discute? Vous pouvez le voir sur la vidéo, hein. Vous pouvez le voir sur la vidéo. On va aller voir. La personne, elle me dit, OK. Voilà. Par contre, monsieur, alors ce que, par contre, là, je n'admets pas. Ce qui m'est inadmissible et qui est particulièrement grave, c'est qu'on vienne sonner chez moi, me faire des menaces, que si je sors dans la rue, on va me casser la gueule. Bon, on va aller voir d'accord ce que nous dit. Voilà. Donc, non, moi, je suis pas. Ma version. Non, mais le mec, il va vous raconter ce qu'il va vous raconter, parce que le mec, il s'est barré. Et moi, je vous dis ce qu'il a dit. D'accord? Voilà. Donc, là, c'est très bien que vous soyez venus, parce que juste à cet instant-là, on est au niveau d'un live. Donc, à même point, c'est intéressant, parce que les gens, ils vont pouvoir avoir votre témoignage à vous. Moi, je respecte tout le monde, monsieur. Maintenant, il faut qu'on nous respecte aussi à nous. Le respect, monsieur adjudant, c'est ça? Ouais. Enfin, monsieur, je ne sais pas. Donc, peu importe. Voilà. Moi, j'ai du respect pour tous les êtres humains. Moi, voilà. Après, vous venez comme policier. C'est vrai que moi, vous êtes un être humain. Voilà. Ouais. Oui. Voilà. Pour moi, le monsieur, c'est un être humain. Même si le monsieur, il se fâche parce que vous n'avez pas les choses à dire, je ne vous donne pas d'ordre. Moi, je dis, je prends des vœux. C'est-à-dire, on dit pas. Effectivement, dans la formulation, excusez-moi, voilà, vous voyez, j'ai pas tous les codes, j'ai pas fait les écoles de police de Congo. En même temps, je suis un petit peu, vous savez, ça se fait pas. Dans le... Oui, mais moi aussi. Vous passez bien à la porte, pas de vous avez des invités? Non, 4 juin 1962. Ah, c'est 07. 07. 22, 07. Alors, je vais vous dire aussi une autre chose par rapport à moi. Chez ma mère, c'est malade. Ma mère, c'est malade, moi. Je ne peux pas travailler comme je dois travailler. Je dois m'en occuper. D'ailleurs, là, maintenant, je viens. Je ne suis pas une femme, je vais me battre avec des gens comme ça.
Me revoilà. Il y a du monde là. Vous êtes cinq. Salut. Bon, mais je ne sais pas si vous avez entendu. Message retiré. Langage 1001, qui c'est ? Donc, je ne sais pas qui c'est. Donc, Vanille, tu es toute seule ? D'accord, très bien. Bon, tu as entendu, Vanille ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah, j'ai plus les messages. Comment ça se fait ? Comment se fait-il qu'il n'y a plus de messages ? Non ? Ah, voilà, ça y est, c'est reparti. Bonjour Langage 1001, voilà, je voyais plus vos messages, excusez-moi. J'aime beaucoup Vidéo Originale, merci pour votre travail d'information et de réflexion sur la société. C'est passionnant et une démarche honnête, protégez-vous et bon courage à vous. Oui, merci, bien, écoutez, c'est ce que je fais. Après, je suis pas non plus super mal, hein, puis bon, moi j'ai envie d'une vie paisible, où tout le monde est bien, quoi, où il n'y a pas de menaces, où il n'y a pas. Enfin voilà. Quoi. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, je pouvais y aller. Hein. Ouais, Vali, je sais, tu fais des trucs. Moi, je t'encourage à faire encore des vidéos comme tu as fait, tu vois, à t'exprimer. Et même à sortir, si tu as une tablette, si tu as si tu as le matériel pour le faire, c'est bien quoi. Voilà. Moi j'écoute pas mal d'autres personnes comme qui font des vidéos intéressantes au niveau de la réflexion. Il y a Horus from the Moon, je sais pas si vous le connaissez, Chris. Alors bon, des fois il balance des trucs, il envoie des il a un langage assez particulier, excusez-moi, je me baisse. Il a un langage assez particulier. Mais bon, c'est intéressant, hein, moi je trouve que ça peut faire réfléchir. Il a rien de méchant. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est méchant, au contraire. Voilà. Ouais, from the moon, c'est ça. From the moon, pas de moon. Enfin, from the moon. Enfin, ça veut dire la même chose. De la lune, quoi. Au russe, de la lune, en français. Voilà. Il essaye de nous museler. Tu parles de qui ? Tu parles de Horus, il essaye de nous museler, Vanille ? Dis-moi, explique-moi. J'aurais bien fait Langoutte, mais je ne sais pas trop comment faire. Il faut envoyer un lien, je ne sais pas le faire. Je sais être invité, mais pour faire un échange. Ah, tu parles des élites, d'accord, ils essayent de nous museler. Ils essayent. Ouais, ah oui, ouais, excuse-moi, je n'avais pas bien lu, excuse-moi. Voilà, je n'avais pas bien compris. Ouais, ouais. Ben oui, tout à fait. Ouais. Tu as vu même le langage au niveau des policiers, vous n'avez pas à nous dire ce qu'on doit faire. Il y en avait un qui faisait 2 mètres, hein. L'autre était costaud, un peu plus grand que moi. Bon, je ne les ai pas filmés par respect, tu as entendu que ça les gonflait, qu'on les filme sans arrêt. Mais bon, voilà. Et le mec, il me dit, oui, mais si vous sortez, sortez pas avec votre caméra, etc. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Ben, c'est clair, ils n'ont pas même menacé chez moi. Voilà. De toute façon, je ne me laisserai pas faire, hein, vous inquiétez pas, les amis. Voilà, je ne me laisserai pas faire. De toute façon, on a déjà une main courante. Hein. On va voir la suite parce que normalement je devrais porter plainte, je sais pas, il me faudrait peut-être parce que c'est grave. Oui, langage 1001, tout à fait. Il faut pas avoir peur justement, Vanille. C'est justement ça, tu vois. Là, moi, je suis un peu sur l'émotionnel, tu vois, le fait de prendre la colère, le désagrément. Tu vois, d'être obligé de réfléchir. Tu vois, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas vraiment habitué. C'est-à-dire, donc, il faut, tu vois, bien respirer, parce que sinon, on a le cœur qui monte. Et au niveau des connexions, on ne réagit pas comme on doit réagir. Tu vois, voilà. Donc,
Ouais, c'est vrai, on est dans un monde de fou. Ouais. Là, je sais pas où on va, comment ça va s'arranger ou pas. Moi, je vais garder les lunettes, comme ça je verrai mieux ce que vous écrivez. Bah ouais, ça ne va pas en s'arrangeant, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai fait une autre vidéo ce matin. Je vais la publier, je crois. Je vais la mettre en ligne. Et puis, bon, ben, moi, les menaces, ça marche pas, quoi. Ça marche pas. Moi, d'abord, j'en fais pas. Je suis pas quelqu'un qui menace de faire quoi que ce soit. Dans le pire des cas, j'avertis les gens. Si je dois en faire quelque chose, j'avertis. Et bon, là, tu vois, c'est quelque chose que je. C'est une vidéo, donc la vidéo, je vais la laisser sur la. Je vais la laisser sur la. En ligne, quoi. Donc, je vais pas l'effacer, de manière à ce que les gens puissent voir, quoi, témoigner. Et en même temps, donc. Ben, je profite pour faire la présentation de, disons de ma chaîne, hein, qui est pour moi sans ambition. Donc, je fais du témoignage, je partage des expériences de vie. Et quelle prétention je peux avoir que ben, des gens comprennent ma démarche. Et amener aussi d'autres personnes vers l'éveil. Voilà. C'est ça, c'est ce à quoi donc je peux prétendre, quoi, la prétention que j'ai par rapport à tout ça. Tu vois, regarde, hein, au niveau de mon image, je fais même pas gaffe, je n'ai même pas été chez le coiffeur, je suis même pas coiffé, c'est pas comme certains, quoi. Donc, je me montre tel que je suis et je fais les choses spontanément. Spontanément, donc voilà. Dans la spontanéité, la vérité, et voilà. Alors, l'engagement aussi, la peur nous bloque. Contre-vaccin Linky, tu es dans un monde de fou. Ouais, je suis à Toulouse, donc méditation consciente. Hein. Oui, je connais Paul Ponceau, mais bon. Enfin, il y a des choses qui m'intéressent chez lui, il y a d'autres choses avec sa femme hein, aussi, là, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Ouais, j'ai vu ses vidéos. J'ai vu, tu vois, donc après, faut prendre, enfin, pour moi, pour ma part, tu vois, je prends un petit peu de tout le monde, hein, parce que tout le monde m'apporte quelque chose. Et puis, je garde ce qui m'intéresse, voilà, quoi, parce que c'est vrai que Paul Ponceau, il amène beaucoup, beaucoup d'informations, après, d'où il les a eues. Voilà, et puis bon, je veux pas non plus rentrer dans les comme on a vu, tu vois, par exemple, des gens en train de s'insulter ou d'aller insulter d'autres entre youtubeurs parce qu'ils ont eu des histoires à régler. Quand je vois des gens en train de justement de faire ça, il y avait des gens que j'appréciais et je les ai vus, j'ai vu des vidéos comme ça où carrément ils insultaient. Qu'est-ce qui ressortait? Il ressortait juste leur ego, quoi. Leur ego. Et donc la démarche, elle n'était pas vraiment honnête, quoi. Elle n'était plus dans des gens authentiques. Et je regarde plus. Alors tu dis ouais, ton avis, ouais, mais c'est ce qu'on m'a dit. En fait, je vais t'expliquer l'engagement 1001. Moi, je me suis exposé parce que je suis maladroit. Et après, bon, ben comme j'ai gardé qui j'étais. Dans mon milieu, on me connaît, hein, à Toulouse, par rapport à ce que je fais, on me connaît. Et ensuite, s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, si ça leur convient pas, ben ils se détournent de moi. Il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, comment tu vois, on gagne du temps, tu vois. On n'est plus vraiment dans l'hypocrisie. S'il y a des gens, bon, ils vont être hypocrites peut-être sur certaines choses. J'ai pesé aussi les conséquences que ça pouvait avoir. En même temps, il m'est arrivé tellement de choses, tu sais que je dis pas qu'il y a rien qui me fait peur, mais bon, il y a des choses qui
Ah ouais, c'était super la chaîne Ouka. Ouais. Bon, ça c'est sympa ça. Il n'y a pas de. Je sais pas, ouais, je crois qu'il y avait un troll, j'en sais rien. Mais les trolls, je sais pas si tu as vu ma vidéo là où j'ai fait langage, là, tu sais, sur les. Sur. Où je fais une vidéo, j'en ai fait trois sur les trolls, que je nomme les inexistants, qui viennent te faire des insultes. Hein, et bon, c'est pas sympa, quoi. C'est vraiment méchant leur truc, quoi. Ça m'a inspiré de faire quelque chose humoristique. Ouais, vanille, ça permet de se centrer. Mais bon, tu sais, on n'est pas des surhommes, hein. C'est qui fait. Alors, je ne comprends pas, tu vois. Est-ce que tu vois il y a ce message est soumis à examen. Je n'ai pas de modérateur. Je comprends pas ça, parce que j'ai pas mis de modérateur, je suis tout seul là sur le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer? Tu vois ce que je veux dire, Langage ou François, puisque je t'appelais François, et Vanille? Ben oui, Vanille, hein, y a trop de perversion. Hein. Trop de perversion, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça je le sais. Ouais, on est des êtres humains. T'as entendu la, vous avez entendu la conversation avec les policiers? Vous avez pu l'entendre bien? Vanille et Langage? Ouais, c'est compliqué, hein, tu sais, ce que nous dicte la conscience, ce que nous dit la conscience. C'est vrai ce que tu dis, Langage, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, François, pardon. Excuse-moi, je t'appelle François parce que là, je m'éteins. Je suis pas trop sur les pseudonymes. Travailler comme des pros. Mais tu sais, Vanille, les flics, quand ils viennent, ils sont toujours sympas. Quand j'ai affaire aux flics, ils sont toujours sympas. C'est une attitude qu'on a. En plus, quand je leur parle de sport et de ce que je fais, ils sont très sensibles. Donc, si tu veux, voilà, c'est un avantage, je dirais. Parce que je peux être amené aussi à leur faire des formations chez eux. Exactement. On attire ce qu'on est. Là, le mec, il ne m'a pas vu. Hein. Je ne sais pas si tu as vu là. Oui, tu as vu les deux vidéos. Tu sais, quand le mec il me dit, ne me filmez pas, je lui dis, mais non, mais je ne vous filme pas, monsieur. Je vous filme, je vais pas vous filmer si vous voulez pas. Par contre, qu'est-ce qui vous dérange, je lui demande, dans le fait de vous filmer. Tu vois? Et au flic, je lui ai expliqué la même chose. Il me dit, ouais, on en a marre de les gens sans arrêt, ils nous filment, on est filmé, ils nous mettent sur le truc. Ben ouais, mais bon, après aussi, les gens, faut dire qu'ils sont. Tu vois, je lui ai pas fait la morale. Le mec, il me dit, ouais. Qu'est-ce que je lui ai dit? Ah oui, donc de. Enfin, je sais pas, il avait l'impression que je lui donnais un ordre. J'ai dit non, c'est un vœu que j'aimais. Et après, j'ai dit oui, moi je n'ai pas fait l'école de police. Ah non, il m'a dit, moi, ça, c'est mes parents qui me l'ont appris. Voilà. Donc je lui ai dit, ben ouais, écoutez. Voilà. Après, il te faut un petit peu ben, leur raconter les choses, qu'ils soient au courant, ce sont des êtres aussi sensibles. Ouais. En fait, c'est des petites promenades. Hein, c'est des. Ouais, Vanille, hein, je te montre les promenades, si tu aimes bien. Bon, c'est vrai que j'ai une ville qui est quand même assez jolie. Il y a pas mal de parcs. Il y a le canal du Midi qui est un endroit qui est un site magnifique. Et après, il y a d'autres endroits qui sont intéressants. Je continuerai parce que justement, vous m'avez. C'est vous qui m'encouragez à le faire parce que moi, a priori. C'était un truc, je m'en fichais complètement, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout. Ouais, François, c'est pas une. Là, ce dont je te parle, c'est pas une question de courage. Je te parle pas de courage. Je te dis que
Lorsque j'ai fait cette chaîne YouTube, c'était destiné, si tu regardes, avec au départ des vidéos de lutte. C'était juste un public confidentiel où je mettais, donc j'avais fait des vidéos de séances que j'ai fait auprès d'étudiants et en même temps laisser une trace à mon public, mais pas public fictif, c'est-à-dire mon public réel, quoi. Et ensuite le partager à ses étudiants, c'est-à-dire les élèves que j'ai eus et mes collègues aussi, entraîneurs, professeurs, lutteurs, sportifs, tu vois. Parce que en fait c'était une démarche professionnelle aussi pour faire connaître ce travail, voilà, parce que bon, moi c'est en fait c'est ma profession, quoi. Je suis un professionnel de l'enseignement et donc j'ai une manière de fonctionner, je dirais libre en association. Voilà, donc j'ai un statut et en même temps donc c'est un petit peu entre guillemets une démarche de communication, voilà. Ouais, ça fait longtemps, oui, Vanille, hein, suffisamment de temps pour ça fait 20 ans que j'enseigne, donc si j'enseigne ça fait 20 ans, j'ai appris bien avant, quoi, voilà, j'ai appris bien avant. Enfin, un peu avant, non, parce que je faisais des autres sports de combat, d'autres sports. Et en fait, j'ai découvert la lutte sur le tard. Je me suis aperçu que j'avais vraiment un potentiel. D'ailleurs, j'ai fait de la compétition en régional, donc j'en ai gagné aussi. Et c'est dommage que j'en ai pas fait plus petit, parce que j'aurais eu un potentiel pour faire du très très haut niveau. D'ailleurs, bon, ben, après dans les sports de combat, dans les arts martiaux aussi, donc on apprend tous les jours, hein, même en vieillissant. Le seule chose qui manque, c'est quand c'est des choses de compétition, c'est-à-dire que quand on est trop vieux, ben on a pas le physique, quoi. C'est en vieillissant, c'est physiologique, voilà. Alors tu me dis, hier la police est venue, quai de la Dorade, mettre des amendes aux consommateurs d'alcool, ils étaient une dizaine, ils ont interrompu la musique, sympa, encadré le jardin. Ouais, on connaît le problème, François, ouais. Je suis au courant de tout ça, moi aussi je suis indigné, donc si je fais cette démarche là, donc avec la vidéo, c'est parce que si tu veux je commence à maîtriser mieux l'outil et bon, ben c'est intéressant, quoi. Mais bon, on sait que la police, bon, je suis sûr que les mecs, il y en a plein qui doivent dire, mais qu'est-ce qu'on fait que des trucs à la con, quoi. Ça, j'en suis sûr. J'en connais, les mecs, ils sont sympas, hein, tu sais. Après, il y a de tout partout, quoi. Il y a des cons partout, des gens bien partout, voilà. Ben ouais, Vanille, c'est l'inégalité sociale. Et tu sais, on peut pas avoir la paix sociale tant qu'il y a l'inégalité et la pauvreté. Il y a des gens qui... Ouais, boire n'a jamais été un délit. Pourtant, quand tu te... Comment dire, on va pas juger. Hein. Moi, j'aime bien boire une petite bière, mais jamais je suis en état d'ébriété. Mais le fait de se mettre en ébriété, tu sais, c'est pas bon pour soi, quoi. C'est pas bon pour soi-même. Donc, on s'expose, on se fragilise davantage. Et puis, bon, là, maintenant, il y a autre chose aussi, Vanille, c'est les traitements médicaux, là. Non, je pense qu'ils n'y arriveront pas, Vanille. On va essayer, peut-être, mais on n'y arrivera pas. Tu vois? On essaiera, mais on n'y arrivera pas. Voilà, donc ça fait déjà 36 minutes. Hein. On est 3, je ne sais pas combien on est, je ne vois pas le 3, 4, hein, à nous. Je ne sais pas si on peut voir qui c'est qu'il y a. Pas que je regarde. Ah ouais, ça, je te crois, hein, François.
C'est si je parlais, je répondais en fait à ce que disait Vanille, que c'est pas un délit de boire. Non, c'est pas un délit, bien sûr, puisque l'alcool est en vente libre. Mais non, c'est pas un délit. C'est pas un délit dans la loi, quoi. Après, qu'est-ce qui est délictueux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, c'est aussi notre à nous, hein, c'est notre libre arbitre, c'est nos devoirs. Ben, pas mal, tu sais, moi j'ai une histoire, il y a quelques années de ça, je suis éducateur et j'ai appris, je sais pas, ça remonte à il y a 3 ans, peut-être, 3-4 ans, peut-être, un peu moins, je sais plus. Je reçois un coup de téléphone d'une maman d'un des gamins que j'avais qui joue au rugby, je crois que le gamin est en qui, le Stade Toulousain, voilà. Cette maman, c'est une psy. Alors, je sais pas si elle est psychologue ou psychiatre, hein, et le papa, chirurgien. C'était à l'époque, j'entraînais au Toulouse University Club, donc à l'école de rugby. Donc, j'avais les gamins. Et les gamins, je les ai eus, ils avaient de l'âge de... Enfin, j'avais des gamins qui avaient 6, 7, 8 ans. Voilà. Et donc, des gamins vraiment super. Et puis, bon, ces gamins, ils ont grandi. Et un jour, je reçois un coup de fil donc de Charlotte, c'est le prénom de cette maman. Et elle me dit, François, est-ce que tu as des photos de Vincent, tout ça? Et elle me raconte ce qui s'était passé. Et en fait, ils avaient quoi, une vingtaine d'années, 20-21 ans, ça y est, déjà à l'époque, là, maintenant, ils avaient grandi, quoi. Et ils avaient fait la fête et ils avaient bu. Et ils s'amusaient à faire un jeu, à cracher, je sais pas quoi, à prendre les lents, à cracher par le balcon ou par la terrasse, je sais pas, un truc comme ça. Et lui, il a pris son élan. Et j'imagine, comme lui, c'était une pile, c'était quelqu'un avec vraiment une, enfin, très 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 rapide. Il avait vraiment des super qualités, ce gamin. Ben, il est passé par le balcon, il est mort. Voilà. Et je te dis pas comme j'ai reçu, donc c'est comme j'ai accueilli donc cette triste nouvelle, quoi. C'est un drame. Et parce que quand t'as eu les gamins, voilà, c'est dur à admettre, quoi. Puis les parents, le papa qui était entraîneur aussi avec moi, qui s'occupait aussi du groupe, hein, on était ensemble, hein. Et voilà, c'était pour te dire un petit peu ce que ça peut causer, l'alcool. Mais bon, ça, c'est pas tout le temps, quoi, tu vois. Voilà, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Donc, oui, c'est pour l'argent, comme le 80 à l'heure, hein, et pour François, pour abattre les gens vers les cafés qui payent les impôts et la terrasse. Ouais, ouais, on est dans. Mais il ne faut plus y aller. Il faut rester chez soi, avoir un petit jardin, s'inviter, et puis, bon, ben, boire chez soi. Ben, ils n'ont pas le droit, de toute façon. Est-ce que tu vas payer? Tu sais que l'État, maintenant, c'est une société privée, de toute façon. Et on le sait. Ouais, il faut refuser de payer ses amendes. Hein. On est dans une pièce de théâtre grandeur nature. Même là, tu vois, là, j'ai appelé la police, les mecs. Je ne sais pas s'ils sont au courant, hein, mais ils doivent être au courant, hein, du numéro de ciré, de la Société République Française de Présidence. Voilà, mais c'est pas à moi non plus aller leur expliquer les choses, quoi. Ouais, c'est une triste histoire, Vanille. Ouais. J'en ai plein des histoires. Tu vois. Alors, je t'avoue, j'ai pas eu besoin d'avoir de vivre des drames, tu vois, pour comprendre ça, quoi. C'est la sensibilité. Mais malheureusement, il y en a pour qui doivent en passer par là pour prendre conscience, tu vois, sur certaines choses. Voilà. C'est pas que c'est pas des gens qui sont pas bons, mais ils sont pas conscients. Les choses, elles sont faciles. La vie, elle est facile. Tout va bien, donc. On te dit on n'a pas envie de se préoccuper de la misère et des malheurs du monde aussi. Mais un jour, on s'aperçoit que personne n'est à l'abri et que ça peut nous arriver. Donc et à ce moment-là, on n'est pas prêt et c'est très dur, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut les aider, quoi. Qu'il faut soutenir ses amis. Il faut être présent et voilà. Et ouais, Vanille, comme un troupeau qu'on ensemble. Ouais, François, l'ancien CRS à la retraite, Marc Granier, qui a dénoncé la démocratie par Vinoy, est interné en hôpital psy.
lendemain, plus de nouvelles. Ouais. C'est ça, ouais, c'est vrai, il n'y a plus de nouvelles. Et puis donc, après, il y avait l'appel là de. Comment il s'appelle déjà lui ? Éric Chury, là. Voilà. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui a suivi dans la rue. Donc. Moi, je pense pas, soyons de la lumière, envoyons leur de l'amour. Et quand il nous arrive quelque chose, Vanny, tu vois, de respirer pour pas être dans de. Parce que tu vois, cette histoire-là, ça m'a mis aussi dans de. Ça a baissé mon taux vibratoire, je l'ai senti. Donc j'avais envie de mettre en colère. Je veux pas agir au niveau de la bagarre. L'autre il me dit faites-le. Je veux dire, le flic il me dit à la rigueur, faites-le canard, quoi. Ben, merde, attends. Le mec qui m'agresse, je peux faire le canard, hein. Ça va, quoi. C'est un peu de dignité quand même. Soyons dignes. Hein, voilà. Donc après, prendre des coups, j'ai pas peur. C'est mon boulot, ça. Mais bon, après, dans la rue, moi, ce que j'aime pas, c'est le conflit. C'est des trucs méchants, quoi. Voilà. Donc, j'évite un maximum. Mais bon, si ça se présente, comme on dit, advienne que pourra. Hein. Faudra qu'ils me prennent par surprise. Ou alors qu'ils soient vraiment très forts et très, très nombreux. Sinon, ou armés. Donc, voilà. Alors, nuit debout, l'écoute des autres dans leur diversité, l'union fait la force. Ouais, mais ça a mené quoi, nuit debout? Vanille, ouais, plus ou moins, tu sais, la prison, c'est nous, c'est à nous, en fait, la prison, Vanille, je crois. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses au niveau des injustices, et qui sont pas justes. Et quand tu es épris de justice, ben c'est dur à avaler, quoi, hein, faut se les avaler, ces trucs là quoi. Quand on a un mec là comme Macron là qui fait du n'importe quoi, qui est arrogant, le mec qui sort de nulle part, on sait très bien que son élection ça a été de la triche. Après, on ne sait pas quoi faire maintenant. Est-ce qu'il faut aller voter, pas aller voter, s'abstenir? Il y en a qui ont aussi, j'ai vu, il y avait des gens qui avaient témoigné aussi sur YouTube, qui avaient été empêchés de voter. Hein? Ça aussi, ça existait. Chris, la parole, c'est qui? Vanille, connais pas. J'aime Jim le veilleur, le silencieux et la dame. Ouais, j'aime bien aussi, mais bon. Je suis pas d'accord avec tout, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il a du talent déjà au niveau de la musique. Il dit des choses intéressantes, mais pas que, quoi. Il y a, comme tout le monde, hein, moi aussi, je sais de dire des choses, mais je sais pas de. Je prends aussi comment dire, quand je parle aussi de par rapport à des gens que j'ai entendus, des informations que j'ai eues d'autres personnes. Je sais pas tout vraiment vérifié. Si je crois à la réincarnation, oui, Vanille, ouais. La réincarnation, ouais, tout à fait. Oui. D'ailleurs, ouais, les archontes dirigent les politiciens. Alors après, bon, ça, je sais pas trop. Oui, c'est des forces noires, hein, ça. Ça, c'est évident dans une dimension spirituelle depuis un moment, qu'on voit les choses, qu'on les sent. En même temps, puisqu'il y a les forces noires, ben faisons appel aussi aux forces de lumière pour nous protéger, hein, puisqu'elles sont à nous, donc on appelle. Mais c'est vrai que là, on est dans la dualité, donc il y a des tas de choses qui sont là pour nous perturber, pour nous déranger, voilà. Alors, François, je mange végétal pour ne pas exploiter les animaux, beaucoup de fruits crus et bio pour la santé aussi, c'est l'énergie de la lumière et du soleil. Tu connais le respirianisme alors, François? Alors, tu vois, Vanille, je ne sais pas si c'est une bonne chose aussi de déchirer sa carte d'électeur, tu vois. Chris, la parole, j'irai voir, ouais.
Vanille, j'irai voir. Voilà. Depuis quand je suis éveillé, Vanille, j'en sais rien. C'est, ça fait un moment, ça fait un moment. Hein. Avant Internet, en tout cas, ça c'est sûr. Avant, avant d'avoir Internet, j'ai vécu des expériences assez, assez curieuses. Comment dire, j'ai pas eu de mort imminente, mais je suis passé, si tu veux, à une fraction de seconde plusieurs fois de la mort. Et là, donc, si tu veux, je me suis dit, mais bon, c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. C'est sur des accidents avec des trucs pur hasard, quoi. Truc probabilité, ce serait une sur, je sais pas, sur 10 000, tu vois, d'échapper à des accidents, quoi, tu vois. Voilà. Donc, ça a éveillé, parce que bon, j'étais aussi un petit peu dans le... Mais j'étais toujours quand même vers les autres, quoi, tu sais, vers la gentillesse de ressentir les gens. Après, bon, tu sais, quand t'es gentil, tu te fais avoir aussi. Ben moi, Vanille non plus, hein, je fais pas confiance aux politiciens. Hein. Ils sont tous tout nus, ils sont corrompus. Ouais, un petit jeune. Tu vois, là, j'ai pas déjeuné. Là. Le mec, il m'a coupé l'appétit, en fait. Il est venu, là, j'ai cuisiné. Mais bon, ça va, j'ai pas faim. Puis bon, j'ai besoin de maigrir, j'ai encore du bide. Hein. Donc, si je peux perdre ça dans l'été, ce serait pas mal. Alors, oui, j'ai entendu parler un petit jeune, ouais. Aux anges gardiens. Ouais, oui, oui. Après, je sais pas si on les appelle les anges. Les anges gardiens, oui. On a des anges gardiens, ouais, tout à fait. Ça se manifeste aussi dans les rêves, tu vois, dans les songes. Langage fait un jeu de 3 jours. Un jeu, c'est quoi? Un jeu de quoi? Un jeune, tu veux dire? Sexe sans eau. Ouais, ben tu vois, moi, ça, j'ai pas fait à une période, pendant un an, j'avais arrêté de manger de la viande. Là, j'en mange encore. Je mange du poisson, j'essaie d'en manger trop, mais là, j'ai des problèmes avec ma maman, là, qui a des problèmes de mémoire, mais je la laisse aller faire les courses. Et elle oublie, elle achète des fois des trucs en quantité, donc je suis obligé de, on n'est pas riche, on n'a pas trop d'argent. Donc, elle a une très petite retraite, et puis moi, j'ai pas des gros revenus. J'ai des petits revenus aussi, de par le choix de ce que j'ai fait là, de ce que je fais actuellement. Ça peut aussi évoluer, hein, mais bon, c'est assez compliqué. Alors, les petits candidats aux élections présidentielles ont été bloqués par les 500 signatures. Ben oui, tu sais qui c'est qui délivre les 500 signatures? C'est les maires. Le système, il n'est pas démocratique. La vraie démocratie, c'est la démocratie participative, hein, où on va voter. Par exemple, tu vois là ce qui se passe aujourd'hui dans ma rue. Ils t'envoient une lettre comme quoi ils vont faire des travaux. Ça a déjà été signé par une personne donc de la mairie qui a commandé les travaux. Je peux dire commandité, hein, parce que et puis nous on subit, ils font ce qu'ils veulent. Alors que si on avait demandé l'avis, on dit ben on va voter. Le compteur liquide, peut-être il se serait mis dans le là où vous pensez tous, hein, voyez. Mais là, il continue, alors qu'il y a eu quand même un arrêté du maire de Blagnac pour dire que c'était pas obligatoire. Il y a encore des gens qui savent pas que c'est pas obligatoire. Il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'ils sont obligés d'accepter le compteur Linky. Mais on fait des pressions. Ouais, les maires ont peur de perdre leur subvention de l'État, alors ne donnent que pas les signatures aux petits candidats. Ouais. Mais bon, et après, ils peuvent peut-être se déberder autrement aussi. Qu'est-ce que on pourrait penser les choses autrement, tu vois? Comme on dit, le mec qui me dit, on a un arrêté. Je dis, ouais, un arrêté, ouais, d'accord. Hein? Donc les maires, ils ont peur. Les maires opposés au Linky sont poursuivis par Enedis et la préfecture en justice. Et ouais, mais les maires qui sont opposés au Linky, ils ont la loi pour eux. Il faut qu'ils portent... l'OPPT, One People Power Trust. Donc, il faut faire valoir ses droits, hein, il faut valoir la souveraineté des administrés, des usagers. François.
Ouais, mais là, tu parles du maire de Loubo, 29 habitants. Salut, Marc. Voilà. Ouais, Inédis, une mafia. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc t'as pas vu en direct, j'ai fait une vidéo. Alors, tu te repasseras là parce que je vais laisser la vidéo en live, Marc. J'ai fait une vidéo. J'ai fait ce live plutôt pour expliquer qu'en fait le chef de chantier qui fait les travaux là, tu sais, il fait des travaux devant chez moi, est venu se tourner chez moi pour faire des menaces. Alors manque de peau pour lui. Moi, bon, il voulait que je monte. J'ai autre chose à faire. J'étais occupé en train de faire la cuisine et je sortais de la douche. Tu comprends que j'allais pas sortir en claquette, en slip ou machin dans la rue pour aller voir un mec là que je connais pas, qui en plus c'est pas sympa, qui sonne. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça. T'as compris. Et le mec il me dit qu'il va me casser la gueule dans la rue si je sors. Tu te rends compte ça un petit peu là où on est, où on vit. Alors, je lui ai dit, écoutez, après, bon, je lui ai dit, je ne monte pas, et puis il ressonne encore une autre fois. Et là, je lui dis, ben, je vais appeler la police. Voilà, ils feront leur boulot, mais ils servent à quelque chose, les flics, tu vois. Et le mec, il, je ne sais pas, il insulte, je ne sais plus, je ne suis pas retenu de ses insultes, je n'ai rien à foutre, je n'ai rien à carrer. Et il me fait des menaces, hein, il me dit, ouais, je vais te casser la gueule, etc., etc. Bon. Je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas, peut-être qu'il peut le faire, hein, je ne sais pas comment il est le mec. Peut-être. Voilà. Donc, voilà, du coup, là, je me dérange pas. Je dis, allez voir, je vais appeler la police. Et là, justement, quand j'étais en train d'appeler la police, il ressonne. Alors là, c'était génial. J'étais à la police en train d'expliquer donc ce qui était arrivé. La nana de la police, elle me dit, est-ce que vous allez faire une main courante? Pourquoi si, pourquoi ça, pour ces machins, etc. Et là, le mec, il se met à gueuler à l'interphone. J'ai dit, mais justement, vous êtes en communication avec la police. Tu vois le sketch? Voilà, c'était rigolo. Et le mec, il continue à gueuler. Et puis la nana, donc, du commissariat, c'était une femme qui était plutôt sympathique. Elle dit, bon, je vais vous envoyer une patrouille chez vous. Et là, la patrouille est venue chez moi. Et quand j'ai commencé donc cette diffusion, il y avait Vanille donc qui écoutait. Et donc j'ai les flics qui voulaient que j'aille dans la rue, je les ai fait descendre chez moi. Comme ça, au moins, tu vois, je pouvais faire profiter à la vidéo de l'explication. Voilà, ça c'est une manière de, je pense, pas trop con de se défendre. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Voilà, j'écoute vos remarques. Si vous avez des conseils, ça m'intéresse, hein, les amis. Alors, Henri, je vais te poser aux abus de l'obligation vaccinale. Ben oui, est-ce que François, tu regardes aussi Philippe Jeanrock, là, les vidéos, là, c'est super intéressant. Ouais, chef de chantier pour les travaux. Ouais, Marc, il est chef de chantier. Pour les... Bon, je t'avoue que ça m'a un peu contrarié quand même, hein, parce que tu sais, de m'engueuler avec les gens, moi je me suis pas engueulé. Après, quand j'étais avec le flic, comme le mec qui gueulait, il faisait des menaces, je lui ai dit de se calmer, en gueulant, tu vois, l'interphone. Mais je suis pas rentré dans le jeu de rentrer, d'aller. D'abord, je n'étais pas en tenue pour sortir. Et puis j'avais pas envie, je suis fatigué. Voilà, j'ai d'autres soucis à m'occuper que de faire ça. Et puis bon, c'est suite, si tu veux, aux vidéos que j'ai fait là, tu sais, sur les travaux de la rue. Donc il s'avère que j'en ai fait une ce matin et que je vais la publier. Je la publierai aujourd'hui. Vous pouvez la voir, quoi. Voilà. Et n'hésitez pas à les partager. Hein. Voilà. Hein. Donc bon, il s'avère que moi, si tu veux, je suis pas protégé par un pseudo, puisque je m'affiche avec mon identité, on dit juridique, la vraie, quoi. Donc les gens me connaissent, et voilà. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais en fait, bon, non, je fais pas de trucs, là. C'est comme la chanson de Clo-Clo. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Voilà, etc., etc. Ouais, voilà, voilà. D'ailleurs, j'avais fait sur la vidéo, je sais pas, tu l'as vu, là, où je me moque des inexistants, les trolls, les cafards, les blattes, machin, que j'appelle, où j'aurais fait le mal-aimé, etc. Enfin, je fais de l'humour. Moi, mon truc, c'est l'humour. Voilà. Voilà. Je ne suis pas toujours rigolo, mais c'est l'humour. D'accord, je vois pas mal du tout et intelligent de ta part. Ouais, mais merci.
Alors, qu'est-ce que personne ne fera, Marc? Dis-moi. Bye, Coco. De toute façon, je ne vais pas tarder aussi. Il faut que j'aille m'occuper de choses. J'ai du boulot. Au revoir, François. Et merci d'avoir été là. Donc, je vais couper. Ça va faire une heure. Ben, de toute façon, le nom du chef de chantier, on l'aura, les filles qui l'ont, hein, de toute manière, puisqu'ils sont allés le voir aussi, hein, Vanille. Donc, moi, ce mec, jamais comme ça dans une entreprise, dans ma société, je le vire direct, il coupe perso. Mais qu'est-ce que c'est? Vous allez faire des menaces chez les gens? Qu'est-ce que c'est, ça, monsieur? Hein? Tu le vires, hein? Tu le vires, tu le dégages. Va pointer. Ben oui, moi je leur fais. Là ce matin, j'ai discuté avec un gars qui était sympa. Vous verrez, je vous montrerai, je vais vous le montrer, qui n'a pas voulu être formé, qui n'a pas voulu être filmé, ce que je respecte, hein, tu vois, je le fais. Et par contre, moi, il me faisait du bruit ce matin, tu verras au niveau de la vidéo. Il y a le gars là que j'avais filmé avec qui je discutais là, qui va d'ailleurs passer chef de chantier dans la rue. Ça, c'est une info que j'ai eue, hein, donc je le sais. Et voilà quoi. Et ouais, Vanny, il nous emmerde. On doit subir, hein. On est rappelle-toi, on est du bétail. On est du bétail, nous. Voilà. Ouais, ça baisse nos vibrations, ouais, parce que ça nous fatigue. On ne peut pas se reposer, on ne peut pas se recentrer. Si tu as du boulot à faire, ben, ça te détourne, tu ne le fais pas. Ouais, mais après, moi, je vais te dire, Marc, comment te dire, moi, je suis au niveau technique, hein, je suis pas un technicien, toi, tu es un technicien. D'ailleurs, je te félicite, Marc, par rapport à ta musique, hein, c'est super. J'écoute tes vidéos, là, que tu publies, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup. Bravo, quoi, voilà, je te dis bravo. Oui, Vanille, je fais que ça, me former. Tu sais, je me forme en autodidacte. Mais tu sais, je fais pas tout ce que je voudrais faire. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas toujours le temps. Mais évidemment, ouais, je vais. S'il y a des gens qui peuvent m'aider, ben moi je prends. Je peux faire des échanges. Hein, tu sais, je peux faire. On peut faire des. Moi je vois le système un petit peu sans argent, sans ce pognon. Où tout est gratuit et où on s'échange. Voilà, c'est ça, c'est l'utopie. Mais je pense que c'est réalisable. Hein. Et les gens seraient tellement bien. Marc, t'as pas à me remercier, c'est la vérité. C'est peut-être gentil, mais c'est la vérité. Voilà. Donc, ce que je te dis, tu vois, il y en a qui font des trucs, j'aime pas tout. Tu vois, comme par exemple, Xavier Surdoué, que j'adore. Hein. Des fois, il y a des trucs, bon, il faut le suivre, quoi. Mais je lui dis, je lui fais quelques commentaires et il apprécie. Donc, bon, il est intelligent, Xavier. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, moi, je me détourne des, enfin, je vais plus regarder les gens, tu sais, qui font, qui sont agressifs, qui attaquent des personnes. Bon, Xavier a fait quelques petits trucs parce qu'il a, c'était des petites piques parce qu'il a été attaqué aussi, donc un petit peu pour se défendre. Mais il y avait une manière de le faire qui était plutôt sympa, même si, à mon avis. Et d'ailleurs, Xav, si tu écoutes cette vidéo, je t'invite quand de l'écouter. Hein, je pense que, ouais, tu fais bien de te défendre. Mais passe ton énergie ailleurs. Je trouve que tu fais des petits tutoriels en ce moment qui sont vachement intéressants. Tu vois, là le dernier là, je t'ai mis donc des commentaires. Et bon, après c'est un peu long, quoi. Long pour regarder ça sur la continuité. Il faut le regarder en plusieurs fois. Et d'autant plus que moi aussi je me mets à faire des vidéos, donc ça prend du temps, quoi. Tu vois. Et puis bon, puis j'ai du boulot là en ce moment aussi, donc. Voilà, consacré. Ce qui est bien aussi, c'est de faire les lives. Quand on fait les lives, par exemple, chez Saber, de pouvoir parler où on est nombreux, quoi. Ça, j'aime bien.
Ah ouais, c'est chiant, ça, Marc. Ouais, mais moi, ils sont là, ils y sont ce matin, je sais pas, parce que là, c'est carrément du marteau-piqueur chez moi. C'est des trucs, là, tu sais, des espèces de rouleaux compresseurs, enfin, des pelles mécaniques, ça fait du bruit. Et il y a un monsieur aussi qui s'est plaint, là. Mais il y a des choses qu'ils peuvent pas faire parce qu'ils ont pas l'autorisation. Il y a des gens qui sont propriétaires de maisons individuelles dans la rue à côté, là. Et eux, ils ont fait le travail, donc pour. Mais par contre, ils peuvent pas poser ce qu'ils veulent poser parce qu'ils n'ont pas les autorisations. Donc tu vois, ça c'est, il y a des gens qui réagissent et qui se laissent pas faire aussi. Mais le problème, c'est qu'on se connaît pas. Il faut qu'on se rencontre et qu'on communique hein, et qu'on fasse les actions ensemble. Alors c'est ça, en vidéo, il faut faire de court format seul. Ouais, c'est ça. Tu vois, là, c'est trop long. Là, ça fait déjà une heure que je parle, mais bon, c'était un live. Et d'ailleurs, je vais devoir arrêter. Alors, je vais vous dire, je vous embrasse, les amis. Ça me fait plaisir. Alors, attends, je lis quand même les commentaires s'il y a des questions. Parce que je faisais les 3-8, je t'explique pas comment ils m'ont fait péter les plombs. Ah ouais, je comprends, Marc. Déjà, les 3-8, c'est pas. Déjà, les 3-8, moi aussi, j'ai déjà fait ça. J'ai bossé comme ça. Ça te détraque complètement au niveau de l'organisme et si quand tu dois te reposer tu as du bruit, c'est pas possible quoi, c'est pas vivable. Mais bon, c'est la vie là. Mais même les gens qui vivent, tu sais, dans des lotissements, il y a des gens, ils ont des baraques à 500 000 euros ou 300 400 000 euros dans des lotissements avec piscine, et t'as les mecs, il faut les travaux, les piscines, t'as des travaux de partout. Après, tu peux pas empêcher les gens qui veulent améliorer leur dans des apparts, qui veulent faire des travaux dans les maisons parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires. Mais quand c'est trop répétitif, c'est trop pénible. C'est-à-dire que bon, il faut être tolérant, mais bon, il y a un seuil quoi. Enfin, tolérant pour moi, ça veut rien dire. Tolérant, c'est avec un seuil. Il y a des choses qu'on peut tolérer. Et jusqu'à une certaine limite. Voilà, jusqu'à un certain seuil. Ben ouais, ils respectent pas, ils s'en foutent des gens qui bossent la nuit, Marc. Ils en ont rien à foutre de toi. Ils en ont rien à foutre de vous, quoi, tu vois. Sauf si tu fais quelque chose qui peut leur servir. Parce que moi, actuellement, si tu veux, je fais un travail, si tu regardes au niveau de mon boulot, qui sert. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est unique, hein, ce que je fais, et je dis ça en toute humilité. Avec mon boulot, enfin ma profession, enfin mon activité, c'est ce que j'ai étudié, c'est-à-dire donc la lutte. Je l'utilise comme un outil thérapeutique, donc la lutte thérapie. Et je fais ça donc dans expérimental, qui marche, mais vraiment avec des résultats qui vont au-delà. Au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. D'ailleurs, moi, j'ai un objectif, c'est de ne pas me fixer d'objectif. Et donc, je fais les choses. Et là, ça dépasse l'entendement, quoi, au niveau du bien-être, de ce que ça fait. Mais c'est pas que de la lutte. J'amène aussi de l'amour, de l'amour, de l'amour et encore de l'amour. Tu vois, tu arrives là-dedans. C'est un environnement qui est très, 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 très difficile. Émotionnellement, il faut se mettre un petit peu, tu vois, donc avoir du recul. Parce que tu vois des gens qui sont vraiment en souffrance, en difficulté. Le handicap, c'est pas rien. Hein. Et surtout que là, c'est du lourd, du handicap mental. Et il y en a même qui sont violents. Et donc, il faut faire face à cette violence. Quoi. Alors, évidemment, ça t'apprend en même temps. C'est un exercice de style, je dirais, pour soi, pour prendre sur soi, pour apprendre à gérer. À gérer l'agression, la violence, tout ce stress qui est lié, et être capable aussi d'avoir sa vigilance à presque 200%, quoi, parce que c'est des contextes où il se passe toujours quelque chose. Mais bon, on est quand même dans un cadre, dans une structure, malgré tout, tu vois. Voilà. Donc, dans la rue, c'est un peu différent. Dans la rue, on peut t'agresser, c'est pas pareil. Voilà. Donc, tout ça, Tout ça nous apprend. À bientôt, Vanille. Merci d'être là. Et puis, je te fais un gros, gros bisou. Ouais,
Ouais, ils ont été avertis, Marc, ce que tu me dis, je le sais. Il faut qu'on travaille sur soi, il faut en fait gagner cette force hein, à nous. Et pas tomber, comment te dire. Quand on agresse, on essaye. Je veux dire, t'as des mecs, on va dire, ouais, le mec il répond pas, il a pas de couilles, il a peur, il est piteux. Mais il faut pas rentrer dans ce jeu. Il y a, tu vas rentrer si tu veux dans le dans la violence physique si on t'agresse physiquement et si t'as pas le choix et pour défendre quelqu'un. Maintenant, si tu peux raisonner et faire les choses de manière à ce que ça se passe et éviter des dommages, des dommages corporels, on peut arriver, tu sais, à calmer. Après, quand t'as affaire à des tarés, les mecs qui se croient au-dessus, les maîtres, ils veulent rien entendre. Même tu l'as vu, hein, il y a 20 ans, tu l'as pas vu. Il y avait un policier, il avait pris comme si je lui donnais un ordre, alors que c'était un vœu que je formule. Il a fallu que je reformule la façon de lui dire. Tu vois? Donc, ils sont pas forcément formés vraiment à la psychologie, tu vois. Voilà. Ben justement, Marc, il faut pas. C'est la provocation, on s'en fout, quoi. C'est tout provoque, c'est sur. Tu vois, envoie de l'amour. Moi, c'est ça aussi, j'envoie de l'amour, je vais sur les trucs, après, bon. Après, peut-être que pour moi, c'est un peu plus facile que les autres, parce que bon, j'ai quand même pratiqué longtemps, mais bon, je suis un être quand même aussi sensible, hein, et si on va m'agresser à l'intérieur, ça. Ça choque, quoi. Il y a des chocs, il y a des trucs qui cassent, quoi, qui craquent un peu. Pas évident. Pas évident, tout ça. Voilà, tu l'as dit. Communiquer simplement. Ben, tu vois, là, ça me fait penser à la discussion que j'ai eue ce matin avec ce pelleteur. Tu n'as pas voulu que je le filme, et puis après, bon, j'ai un petit peu travaillé, tu vois, sur la discussion avec lui pour un peu le comprendre. Et en fait, il allait venir à me dire qu'il était tout à fait d'accord avec moi. Tu vois? Donc, je ne voudrais pas te le dire, parce que le mec, il a peur par rapport justement au boulot qu'il fait à Eiffage. Et ils sont pas bien traités, quoi, ces gens-là. Ils sont maltraités par l'entreprise. Donc là, dans ma rue, je rappelle, c'est Eiffage donc, qui a le marché, qui font travailler donc, des sociétés. Des sous-traitants, hein, donc pour faire le travail qui fait du bruit. Et peut-être que le gars, il est pas chez le chef de chantier, peut-être pas qu'il est pas chez Eiffage. Et les mecs sont des intérimaires pour beaucoup. Voilà, donc dans la rue. Donc tu vois le truc, quoi. Alors que les mecs, quoi, ils devraient être avec nous tous, tu vois. Voilà où on en est, quoi. C'est des mecs qui sont, aussi bas que nous dans l'échelon. Et ils vont faire les voyous, quoi. Ça en compte de venir menacer des gens. Ils vont faire les voyous. Hein, le chef de chantier, là. Hein, je suis pas ton ennemi. Hein, je suis pas ton ennemi. Hein, qu'est-ce que tu es venu me faire des menaces chez moi? Maintenant, tu es fiché par les flics. Ils sont venus, ils ont vu. Je sais même pas qui t'es. Je sais que tu es le chef de chantier. Résonne un peu dans ta tête. Hein, voilà. Moi, je suis dans le pardon. Mais ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est pas bien. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai fait ça intelligemment. Voilà, j'aimerais que justement tu écoutes cette vidéo et qu'elle te calme, qu'elle ne te mette pas dans un état second, parce que mon pauvre, là, tu es en train de te raccourcir ta vie d'au moins 10 ans, sache-le. Tu ne profiteras pas, si tu gagnes du fric, tu ne profiteras pas de ta retraite. Tu ne profiteras pas de tout ça. Donc, mets-toi dans la bonne énergie, mets-toi dans l'amour et tu auras beaucoup à gagner. Et dans la compréhension, comprends que les gens sont comme toi, t'as pas à les insulter, hein, surtout chez eux, tu vois, déjà tu te mets en infraction, donc au vu de la loi, là, hein, la loi que tu respectes, hein, en payant tes impôts, etc., etc., tout ça, hein. Après, peut-être que t'as des protections, je sais pas, peut-être que tu fais partie d'une mafia, de ceci, de cela, j'en sais rien, tu vois, mais voilà. C'est pas raisonnable, c'est pas digne de quelqu'un d'intelligent, surtout chef avec normalement des responsabilités,
Voilà, je te laisse réfléchir là-dessus. Voilà, tu vois, j'ai fait un petit message donc à ce chef de chantier que j'ai pas vu, j'ai juste entendu à mon interphone, mais que les flics ont vu. Puis de toute façon, j'ai pas envie de le connaître personnellement. Voilà. Et ces menaces, elles prennent pas. Donc si tu viens m'attaquer, tu m'attaqueras, puis on verra ce qui se passera. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Mais un conseil, ne viens pas me faire chier quand même dans la rue non plus, quoi. Voilà. Ça vaut mieux pour tout le monde. Garde ton énergie pour ce que tu as à faire avec, et pas pour des choses comme ça qui sont inutiles et qui servent à rien. À moins qu'on te file du pognon pour faire ça, je sais pas, je ne sais rien, mais ça vaut pas le coup. Tu auras des comptes à rendre de toute manière, quoi qu'il en soit. Tu auras des comptes à rendre. Voilà. Je te laisse avec ça. Alors Marc, tu me dis, ils ont essayé en 2016, je dois être l'un des seuls sur 12 000 habitants de quartier à les avoir notifiés de mon refus. Je suis sur une liste depuis, ils ne l'ont pas installé en 2017. Ton compteur Linky, ben ouais, c'est bien. Moi, ils me l'ont installé l'an dernier, quoi. Enfin, c'était quand même l'an dernier qu'ils ont installé ça, ou en début d'année, je sais plus. Mais bon, ils t'ont pas laissé le choix, j'étais pas là quand ils l'ont foutu. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu penses du, Marc, du petit message hein, que j'ai fait, ce chef de chantier? J'aimerais ton avis. Juste ton commentaire là-dessus. Est-ce que tu trouves que ça vaut le coup? Est-ce qu'il en vaut la peine ou pas? Mais je pense que tout être humain vaut la peine, de toute manière. Les gens sont égarés. Ouais, c'est ce que je pense, mais bon, quand même, hein, il n'a pas la capacité de comprendre, hein, tiens, t'as raison. C'est sûr, quand t'en es là, t'as pas la compréhension, tu te prends pour ce que t'es pas, pour plus fort que ce que t'es. Et, bon, c'est des comportements de voyous, quoi. Voilà. Donc, ça. Mais les flics, tu vois, ils sont venus, ouais, on va leur dire, tu vois, il y a des menaces, c'est grave, quoi. Tu vois comment on est quand même la protection qu'on a au niveau policier, quoi. Tu vois. Et après, si tu leur fais des remarques, ils vont te dire ouais, mais nous ne dites pas ce qu'on a à faire, on sait. Hein. Après, ils te disent ah ouais, mais si vous sortez, provoquez pas, hein, allez pas avec votre caméra, filmez pas, ils vous agressent pas. Hein. Voilà, ouais. Donc voilà. Donc en fait, il faut aller dans leur sens, quoi. Si j'ai bien compris. Curieux quand même. Voilà, bon les amis. Je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir été là, d'écouter. Donc vous pouvez regarder là, ça fait 1h15, c'est long. Et ben, je vous dis au revoir. Et puis j'en referai. Alors juste une chose, j'en profite pour vous dire que je fais une vidéo. La semaine prochaine, j'ai fait une vidéo en fait en live. C'était la première fois que je faisais ça, c'était hier, de l'entraînement, enfin de comment dire, d'une séance de lutte que je fais actuellement avec les jeunes du centre de formation de Colomiers, de l'US Colomiers Rugby. Donc c'est des jeunes dont l'objectif, il y en a certains qui vont connaître le rugby professionnel, quoi. Donc c'est des sportifs de haut niveau et de voir ce que en fait c'est un travail que je fais donc adapté pour eux par rapport à leur sport. Voilà. Donc si ça vous intéresse, hein, si vous aimez, je fais le live à partir de 8h jeudi matin prochain. Voilà. Alors Marc. Dans un étau tellement pressé, comme des citrons, que limite, il se vengerait sur les riverains qui fait une simple remarque. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça hein, qu'il veut faire.
Alors, pas de soucis. Merci à toi, François. J'ai une partie de ton live. Ouais. Ben, disons, c'est pas montrer mon savoir. C'est plus montrer, si tu veux, ce qu'on peut faire. Voilà, tu vois, c'est... là, tu vois, montrer mon savoir, ça fait prétentieux. Mais c'est destiné, tu vois. J'ai l'impression de me justifier. Ça me gêne un petit peu de montrer en public. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Et en réalité... c'est pas mon truc du tout. Et mais par contre, c'est vrai que j'avais le vœu de faire connaître le travail qu'on peut faire, parce que c'est un travail aussi. J'utilise aussi mes compétences pour le travail avec les handicapés. Mais là, je les filme pas en live. Je fais aussi des films, mais je veux pas les montrer. Là, c'est autre chose. Et puis surtout aussi, si ça permet aussi en direct à ceux qui viennent pas du centre de formation, de pouvoir, quoi, les gens du bureau, tout ça, parce qu'ils aiment bien savoir. Voilà, c'est tout. Allez, Marc, écoute, bisous, et bisous aux autres là qui sont en train de regarder. Et puis bon, je vous dis à bientôt. Je coupe.